Let me hop out the motherfucking Porsche. Donc, les potes, j'espère que vous avez bien, c'est pour l'épisode 8 de mon essai sur Uncharted 4. 9, Uncharted 4, excusez-moi, Uncharted 3, épisode 8, c'est parti. Ce qui est en haut est en bas, je me rappelle plus trop où on est. Ça fait un jour et une nuit que j'ai pas joué. Ah oui, après les araignées. C'est vrai. Exceptionnellement, je vais faire 30 minutes parce qu'après je vais me coucher. Donc. IRL est plus important que le virtuel, comme on dit. Voilà. À couvert, c'est une embuscade! Oh, merde! Elle est là, Sully, à terre! What? Et c'est parti. D'accord, je m'attendais pas à ça. Comment direct? J'y vois rien. Sully, tu vas bien? Ouais. Bon, le gros connard, je l'ai tué. Merde, je vois rien du tout. À tête. Mort, toi. T'en vois d'autres? Il faut qu'on sorte d'ici. Et comment on est censé faire? Par là, Nate. Je t'aide à monter. Ok. Je vais faire un épisode plus court que d'habitude, voilà, donc 35 minutes à peu près. Attention, Nate. Bon, faites gaffe, je vais faire descendre l'échelle. Ok, attention! C'est bon? Parfait. Mais pourquoi je sens qu'ils vont nous attendre juste en haut? Parce que c'est obligé déjà, dans tout chaque sortie de chez ça presque. C'est bon? Voilà. Merci. Donnez-moi vos armes, on peut pas sortir avec. Ah, ok. Le plaisir est pour moi. Ok, je crois qu'on est bon, allez. Ok. Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent. Bien, là-haut. Par là. Oh non. Nate? Oh non. Le poison. Allez, du calme, Nate. Stop. Arrêtez. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils l'ont drogué. Quoi? Il faut qu'on l'éloigne d'ici. Viens, fiston. Me touche pas. Ok. Non, ok, on veut juste aider. T'approche pas. Laissez-moi. Putain. T'as le beau, je sais pas s'il est mortel ou pas, mais. Oh là là. D'accord. Fichez-moi la paix. Oh non. Oh non. Restez. Attends, 2 minutes. La drogue, c'est mal. Ouh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Ne me touchez pas. Salut.
sais. La gueule, t'as le bout. Suivez-moi. Je suis obligé d'avancer. Hein. J'irai pas. N'hésitez pas. Suis. On est où? Vous êtes avec nous. Écoutez-moi. Vous savez ce qu'on se passe. Arrêtez-les. Non, non, arrêtez-les. Je ne les laisserai pas vous faire. Normalement, ça se dit, c'est pas à partir d'un moment, Charlie, il en avait plus. Je sais pas. Donnez-les-nous. Je sais pas. Je sais pas. Pas de la lumière. Je sais pas. Non, je sais pas, je sais pas. Dieu. Ah, je sais pas. Ça va aller. Bienvenue, Drake. Je te conseille de ne pas faire le malin. Tu n'es pas en odeur de sainteté ici, tu te souviens? Ah ouais, c'est là, d'accord, c'est ici. La grandeur des petits débuts. Derrière tes allures de dur, tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé, n'est-ce pas? Mais c'est tombé. Derrière moi. En fait, je pense te connaître mieux que quiconque, Monsieur Drake. Pourquoi? Bien sûr, ce n'est pas ton vrai nom, hein. Mais ça nous importe peu. Quoi, c'est pas Drake? Une mère suicidée. Un père qui envoie son fils à la DAS à l'âge de 5 ans. Confié au pensionnat pour garçons de Saint-Francis. On nage en plein Dickens. Oh. Ne t'en fais pas. Elle ne nous intéresse pas. Sauf, bien sûr, si on doit vraiment te convaincre. Salope, qu'est-ce que vous voulez? Bon, même si c'est difficile à admettre, j'ai besoin de toi. Pour trouver Victor Sullivan. C'est ça. Nous sommes déjà au courant qu'il a les coordonnées pour trouver Hiram. Comment vous le savez? Tu nous l'as dit, Nathan. Ta loyauté n'est donc pas aussi inébranlable que tu le penses. Et la sienne? Hein? Mais... vous insinuez quoi? Rien. C'est juste... eh bien... ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant. Et il ne t'a pas été d'un grand secours. D'ailleurs, il ne t'a pas non plus sauvé à Carthagène. Il t'a juste vu comme un filon à exploiter. Je sais que vous me manipulez. Crois-moi. Victor ne pense à rien d'autre qu'à Victor. Et ça ne changera jamais. Je m'en suis aperçu il y a 20 ans. Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte. Vous perdez votre temps, ma chère. Très bien. Mais réfléchis. Quand il t'a recueilli dans les rues de Colombie il y a 20 ans de ça, t'a-t-il sauvé de cette vie? Ou t'a-t-il condamné à celle-ci? Ah. Excellent. Moi, je l'avais un gilet pare-balles, lui. Bien. Nous savons où est Sullivan, à l'autre bout de la ville. Je suis navrée, Nathan. Il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation. Tu vois qu'on élimine le Drake comme ça. Oh oui, cours, cours, oui, cours. Cours, mon pâtier. Je vais te rattraper. Talbot, viens ici, Talbot.
crois que je vais pas te défoncer peut-être. What? Ah merde, je crois qu'il était. Ah d'accord. Vite hein, celui-là en tout cas. Il se la pétait bien mais il se la pétait bien pourtant hein, quand il avait une arme, mais là t'as vu direct qu'il a pas d'arme, il se barre hein. Comme une tapette hein. Eh, c'est là où on était quand on était petit je crois. On fait le tour de la ville tu sais. On te le tape un jour ou quoi? C'est chiant là. 5 minutes que je le cours après. Par là, connard. T'as fait casser la jambe à Charlie. Je vais te casser ta jambe aussi. Ah merde. Je suis baisé là. Ou pas. Putain, surprise, enfoiré. On échappe pas à Drake. Je sais pas s'il s'appelle vraiment Drake en fait alors. Ah mais il fait que de courir cette tapette hein. En tout cas. Ah il part là-bas. Faut être bon. Ah, il est là. Pardon. Excusez-moi. Et voilà. Tu croyais m'avoir semé. Ah bien sûr aussi, Drake. Allez Talbot, je perds patience.
Il est fort en tout cas, Talbot. Aussi fort que moi. Oh le bâtard! Ya sabah el falafel ou el hummus ou el babaranbo. Tu me reconnais? Ramessès. Tu me vois une fière chandelle, mon ami. Ok. Merci. Sérieusement? L'anglaise m'a payé pour que je me débarrasse de toi. Mais moi, je suis un type en or. J'ai préféré te sauver la vie. En ce moment, je suis sûrement ton seul et unique ami. Pourquoi il fait ça? Et maintenant, tu penses que j'ai une dette envers toi, c'est ça? T'es intelligent, ça me plaît. T'as toujours une longueur d'avance. J'aimerais te poser une question très simple. La cité perdue d'Iram. Bien sûr. C'est qui fait ça. Où elle est? Je sais pas, mec. Tu mens. Écoute, même si je savais, ma vie vaudrait plus rien une fois que je l'aurais dit, pas vrai? Tu m'insultes. T'es un pirate. Et un homme d'affaires très doué. Tu me dois le respect. On recommence du début. On a mis mon cul, ouais. Et Iram, Nathan. Tu peux me torturer autant que tu veux. Ok. Mais je peux pas te révéler ce que j'ignore. Peut-être bien. On n'a qu'à voir si ton ami est plus coopératif. Quoi? Qui? Celui. Ton ami, Victor Sullivan. Oh, j'ai aucune envie de faire ça. À son âge, il risque de pas pouvoir le supporter. Attends. Espèce de fils de chien. Non, non, non. Tu m'as laissé aucun autre choix. Peut-être que ton ami accordera davantage de valeur à sa vie. Non! Touche pas, celui! Bye, Nathan! Tu me laisses tranquille! On va bien rigoler. Tu veux pas nous dire ce qu'on veut savoir, hein? Coup, coup de boulon, coup de truc à... Sale enfoiré. Ah merde. Ouf. Il m'a l'air costaud. Merde, d'où il sort celui-là? Ah, les gros, faut que je leur foute des gros coups. C'est fou. Je me fais pas toucher, on devrait le faire. Il est grand, mais il est B. Voilà. Et reste à terre.
quoi, faut faire quoi là? M'attendez pas à ça. Ah, il faut monter. D'accord, d'accord. Ah, on est un peu comme dans, dans la fin du 2, tu sais. Non, dans la fin du 1 plutôt, avec l'autre. Sacré cliché. D'accord. Il y a ça qui traîne sur le pont, n'importe quoi. Ah oui, il faut aller par là-bas, d'accord. Je me trompe pas. J'ai là. Tac. Ok, les affaires reprennent. Vide. Bien sûr, c'est vide. Là, on pourrait se faire attaquer par des rats. Dans un cimetière de bateau. Je suis où là? D'accord. Regardez-moi ça. Merde. Croisons les doigts. Ouais. Ok. On progresse. Attends, on va tomber à l'eau là. Peut-être aller à l'eau, je sais pas, peut-être ça va me tuer, j'en sais rien du tout. Je vois pas d'autres trucs. Ah non, je crois que ça va me tuer. Pas mon sous-marin. Ah, j'ai peur. Après, on va avoir des requins. Ah, il faut maintenir quoi. Changer de bateau en tout cas. Il y a du monde. Il n'y avait pas d'âme sur lui. On dirait pas. Merci.
de moins, c'est pas gagné. Sniper? Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. D'accord, bon j'aurais pas dû faire ça. Je savais pas qu'il y avait une tourelle aussi. En plus, faut que je recommence tout. Pas les mains dépassées, bien sûr qu'on a. Deux de moins, c'est pas gagné. Ils bougeront pas. Un autre. Tu veux pas t'afficher le truc? Oh merde! D'accord, elle est là. Putain, fais chier, je l'ai ramassé quand elle l'avait. Merde! Oh putain, il faut que je recommence tout à chaque fois en plus! Oh cette merde! Ok, Sully. T'es quelque part par ici. Oh sa merde! Qui est cette anglaise au fait? Il fait. Deux de moins, c'est pas gagné. Oh merde! Oh putain, j'ai réussi à qu'ils me voient pas. Oh ce truc de pro. Non, ils m'ont vu, ces connards. Non.
pas rester là. Quoi ça? Lance grenade. Parfait. Pas déconner avec mon pote. Quel con! Heureusement que ça, je me tue pas comme ça. Hein. Moi, je serais un peu débile. Non mais non, je vais pas mourir comme ça. Putain, plonge bouffon. J'ai handicapé. Non! Et avance, ce bouffon! Putain, mais merde, avance, putain! Bon, moi ça me revient pas au début. C'est moi pour vos oreilles là, mais j'ai un stylé. Oh, mais what? Il m'a one shot! J'ai la logique du jeu, hein. T'es où celui qui m'a one shot là? Ah, j'aurais été sûr, putain, que j'allais mourir, ce fils de pute. C'est moi, mais ça m'a saoulé là. Mais d'où le mec, elle y arrive comme ça, je comprends pas là. Bon, attends, je vais faire un peu plus fort, tu vois. Un petit cadeau pour toi! Dégage toi! Non, je me suis tué moi-même comme un débile. Putain de merde, fais chier. Tu es mort, enfoiré.
La logique, oui, je lui tire 40 000 balles dans le truc, il meurt pas. La logique du truc. Et vive la logique, hein. What? Tout y a un mec là. Tout ce qu'il me fallait, ouais. Ah mais putain, moi aussi j'ai pas fait de rond comme un débile. Putain, il faut que je recommence 800 fois le truc. Oh, ça va me faire chier ça. Visé, putain de merde. Je savais pas qu'il y en avait un là. Putain, y'a carrément un autre. Je crois que j'ai mort tout à l'heure. Bon. Il est où lui? Pas d'indice, mais je vois pas le délire. Elle monte. Ah, il y a un truc là. J'ai vu un truc. Ah, ça doit être par là. Non, non, je vais pas me faire tuer comme ça, comme un con. Je peux emprunter ça? Non, je suis mort. Dis pas que ça me refait que tout recommence, s'il vous plaît. Bon bah les amis, on va se laisser pour cet épisode, pour en tout cas là. Bon, j'ai eu peur, hein, là. Bon allez, à plus les amis, si vous pouvez laisser un like comme d'habitude, à vous abonner. Et tu vas ça pour de vidéos sur ma chaîne. Peace. Bien. Peace. Portez-vous bien. Check it off and let's take a ride. Cause heaven's not far away, and I'm not gonna leave you here. Let me take you in.